Merci de nous recevoir chez vous à cette émission d'un genre particulier qu'on va essayer avec les presses du satellite de réaliser entre Douala, où je me trouve, ici, en plein cœur de Bonanjo, et nos invités qui sont du côté de Londres. On va essayer de les joindre pour essayer de discuter un tout petit peu avec elles. Retenez tout simplement que je l'avais annoncé sur Radio Voltage 2 qu'on essaierait de réaliser une presse par satellite. J'espère que tout se passe bien de ce côté, de toute façon on a du signal. On essaiera de rencontrer ces deux jeunes Camerounaises qui sont installées à Londres et qui évoluent complètement dans le milieu du showbiz, du côté de Londres. Elles sont une fierté pour le Cameroun, j'ai écouté leurs tubes, j'ai écouté leurs chansons, j'ai regardé les clips, mais physiquement, puisqu'elles ne peuvent pas être au Cameroun, elles ne sont pas venues au Cameroun depuis de nombreuses années. Douala et Londres. Nous allons rentrer en connexion avec Londres dans un instant. Merci, Seigneur. C'est mon Roméo. Et je l'aime. Roméo. Hello, Major. Comment tu vas, Costi? Oui, je vais bien. Je vais bien. Ça fait plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il est chouette. Merci de nous avoir. Oui, je vais bien, comme vous le constatez sur votre écran. Merci de nous voir comme ça. Je suis ici à Douala et ça me fait plaisir de vous savoir toutes les deux comme ça à Londres. Et comme vous le constatez, je vais très bien. Alors, pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs qui nous regardent? Bien sûr, je suis Irène Major. Bonjour Costi, moi c'est Elsa. Qu'est-ce qu'il est chouette. Merci de nous avoir. Alors t'es femme maintenant de Major, alors t'es un Major. Oui, Elsa, oui, Irène, oui, que je suis fan des Majors. C'est pour ça que nous avons décidé de réaliser cette émission, moi depuis Douala et vous depuis Londres, à plus de 6000 km via le satellite. C'est aussi ça, la magie aujourd'hui de tout ce qui est satellite, pour essayer d'apporter, de montrer votre visage aux téléspectateurs qui regardent cette émission et surtout de discuter un peu avec vous. On entend les Majors, on ne sait pas qui c'est et ça fait plaisir de savoir que vous êtes Camerounais. Oh, ça fait tellement plaisir, merci. Tu sais qu'on t'adore. Merci pour tout, merci pour le support que Voltage 2 a eu sur notre carrière. C'est magnifique. On est, oui, very happy. Thank you so much. Merci. Être à 6000 km de toi, ça fait du bien, ça fait plaisir de savoir que l'Afrique, tout le monde entier nous écoute. Exactement. Et bien sûr, par le biais de l'informatique et des médias et tout est facile maintenant, hein? Tu sais aussi l'impact sur Internet et les multimédias sur les carrières de musiciens, d'acteurs, c'est, on a l'impression d'être en Afrique même sans y être. Lance-toi, voilà, tu es avec nous. Tu es avec nous comme si on soit tous les jours et c'est génial. C'est parfait. Vraiment. Par contre, tutoie nous par contre. Ah oui, on se tutoie. Arrêtez-moi de manière, Kousti, c'est la famille. On se tutoie. On essaiera comme ça de se tutoyer. C'est vrai qu'en français, c'est très difficile. Il y a le tu, il y a le vous, il y a le toi. En anglais, c'est fastoche, c'est you, c'est clair.
J'espère que durant toute l'émission, vous ne resterez pas debout comme ça. Asseyez-vous, j'espère. Et je remercie déjà tous vos promoteurs, tous les producteurs, tout ce qui permet la réalisation de cette émission. Je tiens à préciser aux téléspectateurs que nous sommes à Douala et nos invités sont à Londres, à 6000 km. On essaie de réaliser par satellite cette interview exclusive dans cette émission Exclusivité Planétaire. Le temps de permettre à nos invités de s'asseoir. Oui, Irène, Elsa, asseyez-vous. Et pendant ce temps, nous allons proposer un extrait de Qu'est-ce que c'est les Majors ? Major, pour votre plaisir. Après cet extrait, comme ça avec les majors que nous avons, il faut vous rappeler, nous réalisons cette émission entre Douala et Londres, Exclusivité Planétaire, exclusivement exclusivité, pour ne pas dire, pour ne pas se répéter. Et vous rappelez simplement que les majors, ces deux jeunes dames, sont originaires du Cameroun, mais ne sont jamais venues prester ici, n'ont jamais rien fait dans ce pays. Elles sont, je dirais, on les prend souvent pour des Jamaïcaines, pour des Américaines, mais elles sont camerounaises. C'est vrai qu'à l'extérieur, il y a Douala, il fait très très chaud, on est presque à 40 degrés, mais on va se, toute mon équipe et moi, on essaiera un tout petit peu de tenir durant cette interview par satellite, il faut le rappeler. Alors, major, vous avez été à Madagascar, vous avez été à Madagascar pour une télé-réalité. Alors, pouvez-vous nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé et pour quelles raisons l'île de Madagascar, les Malgaches vous ont invité. Et racontez-nous un peu cette aventure. Oh, tu sais, quand c'est en fait, c'est une émission à moi, Irène, S-Mode par Irène Major, par la RTA, hein, de satellite, au niveau de Madagascar. Donc ils m'ont approché, ils m'ont dit, voilà, est-ce que, avec ton expérience dans la mode, le fait que tu étais mannequin et tout, est-ce que tu peux aider 12 filles malgaches à relooker? Alors Elsa est venue avec moi. C'était un parcours. Les filles, elles ont adoré. Et l'émission, en fait, à partir de ce mois, c'est à la télé malgache. C'est pas toutes les semaines et tout, pendant 3 mois. Et le public malgache nous a adoré aussi. On s'est sentis chez nous, en fait. Yeah. You know, Council is just, Madagascar is a part of Africa, as you know. And it was just amazing to see how welcome we were. It was fantastic. The people knew all the songs. We had a gig exactly the day after it we landed. It was amazing. We had the show. We were shooting the show for a couple of weeks. And we had everybody knew about Major. It was so refreshing and so amazing because it's always good to be known where we will never forget our roots. This is so important to us. That's why we're doing this with you right now, Constantine, because we want where we're from to be recognized and, you know, to have credit for the work we've been doing so far. It's really cool. It's been amazing. Madagascar was fantastic. No, we're going back, actually. On repart là, on va repartir, hein, juste parce qu'ils ont besoin de notre temps. Apparemment, ils ont même des films, plein de projets pour nous. Il y a beaucoup de projets. Franchement, il n'y a pas que Madagascar. Je veux dire, le monde entier nous adore, l'Europe, et maintenant aussi, il y a le Kenya. Pourquoi pas le Cameroun, l'île Maurice, et même les Philippines. Le Brésil, l'Italie, si on pouvait partout. Avoir 10 majors, exactement. Hein, on se clone. We could send you in a different country and like others in a different country. That'll be easy, actually. Yeah, we have some in England, some all over the place, so exactly. That would be really cool. But on adore notre carrière. Une voix, un talent, un nom. Steve, Steve, Oka, Steve.
parade mondiale. Le premier parade mondiale au départ de l'Afrique depuis la base de la Côte d'Ivoire et sa capitale Abidjan. Vous écoutez tout simplement le hit parade qui vous donne le classement des 30 tubes les plus écoutés sur la planète. Grosti et K sur Ivoire FM dans le hit parade. Ivoire FM 103.4, là où tout commence. Thank you so much. Au cœur de vos émotions. Ivoire FM. Ivoire FM. Écoutez Ivoire FM sur les 103.4 et www.ivoirefm.ca. Elles sont nos invitées, Elsa et Irène Major. Elsa Major, Irène Major, elles sont nos invitées. Nous sommes ici à Douala, dans une plateforme à Bonanjo, et elles, du côté de Londres, à 6000 km. Nous réalisons un peu cette émission en duplex entre Londres et Douala. Alors nous allons un peu continuer à discuter avec elles. Alors, Irène et Elsa, pouvez-vous... Les Camerounais ne vous connaissent pas. On ne vous connaît pratiquement pas ici. Pouvez-vous nous raconter un tout petit peu vos débuts, votre aventure, comment avez-vous commencé? Les débuts, par contre, n'ont pas été faciles, forcément. Donc, moi, j'ai fait plein de modes après l'émission de Miss au Cameroun. Ouais. Donc, tout s'est très bien passé, la mode et tout. Arriver en Europe, faire le mannequinat en Angleterre aussi. Je veux dire, la télé anglaise, moi, me connaît forcément parce que j'ai fait 10 ans de télé anglaise. Et Elsa aussi a son background dans les médias. Je la sûrement connaître comme si j'ai fait une émission de télé en France qui est bien sûr qui fait partie de mon CV maintenant. C'était L'île de la Tentation. C'était il y a quelques années. Donc qui est bien sûr le show le hit de l'été. It's always like the summer biggest show in France and everything. Donc j'ai fait ça il y a quelques années. Bien sûr, c'était le début, mais en même temps, j'ai fait beaucoup de stylistes, beaucoup de commercial, comme on dit en anglais, en France. Et vous avez déjà nos carrières respectives, en fait. Bien sûr, ma soeur avec l'impact, avec les années de professionnalisme qu'elle a eu sur l'impact. C'est marrant parce que tu apprends pour James Bond, Elsa. Exactement. James Bond, il y a peut-être plus de 10 ans, mais c'est comme une étiquette. Exactement. Je dis, va partout où je vais, que ce soit au Kenya, que ce soit à Madagascar, on parle que de James Bond. En fait, forcément, je suis anglaise maintenant aussi, et puis malgré, James Bond, c'est anglais. Donc forcément, c'est aussi l'étiquette. Hein. Et James Bond, c'est une institution ici. Voilà, donc c'est très important. Tout le monde, c'est carrément l'un des trucs, l'un des pionniers du cinéma anglais. Ouais. Donc c'est tout le monde, et c'est un honneur pour elle de faire partie de ça. Ça fait plaisir. Exactement. Et tout le temps, je dis, je serai... C'est vrai que j'ai été dans James Bond, mais je serai la prochaine James Girl. The main one. I want to be the main one, all right? It should be me, right? Don't you think, sister? It has to be you. Of course it has to be. Aussi, tu peux être James Bond version Cameroun. Mais pourquoi pas? On peut être Bond Girl. Mais regarde, il est toujours cool avec ses vestes et tout. Adorable. J'adore ça, toujours, par contre. Moi, ça, par contre, cool. Il y a un truc que je vais dire, Aussi, c'est... j'ai toujours été une fan, j'ai grandi en te regardant, je suis... T'es un honneur, on est fiers de toi, on est fiers de ce que tu fais pour le pays, on est fiers de... Ah ben attends, ne t'en fais pas, il est maintenant major. Alors mais franchement, parfois, il faut donner à César ce qu'il y a à César. Pour moi, quand je parlais d'animateur télé international camerounais, c'était toi que j'avais en tête. Donc, il fait partie des majors maintenant. On est fiers que t'es... Un léger problème avec la technique. Un léger problème avec la technique, un léger problème. On vous revient dans un instant. Let me go.
Merci. Après cet extrait vidéo, un clip vidéo de Major, nous allons retrouver Londres, retrouver les Majors pour la deuxième partie, parce qu'elles ont décidé de se changer trois fois dans cette émission. On va les retrouver pour la deuxième partie. Et ma question va s'adresser à Elsa. Elsa, toi, ah, voilà, Irène, ça fait énormément plaisir de te voir comme ça, sans tes lunettes. Alors, Elsa, j'aimerais savoir qui compose vos chansons. Ah ouais, tu sais, mon style pour les chansons, en fait, c'est la majorité des chansons ont été écrites par Irène, crée beaucoup des BTM, c'est-à-dire qui est très inspirée, qui vient avec une idée, et she just feels like she don't we sit down and we just put it together basically. Mais elle a beaucoup d'idées, donc du coup c'est c'est un travail de groupe, on le fait en studio, ouais, avec c'est un ensemble. C'est un ensemble, en fait, ça dépend des chansons, mais c'est souvent c'est vrai que c'est a teamwork. Alors il y a un titre qui passe en rotation ici, celui de radio, le titre Bird, qui veut dire l'oiseau ou encore les oiseaux, si on en a un S. Alors pourquoi le titre Bird? Pourquoi cette chanson et le titre Bird surtout? On a écrit Bird, we've written it ourselves, and it's a song that means so much to us. We love birds, as you know. It's amazing. On adore les oiseaux. On adore les oiseaux. Parce qu'on est free, we free as birds. Parce que comme si tu sais, on est des oiseaux, on adore voler, on adore partir, ouais. Voyager, voilà. C'est vrai que cette chanson a été proposée plusieurs fois en rotation, mais jamais on a vu le clip. Et pour la première fois en diffusion, je dirais, pour votre plaisir, pour tous les Camerounais, pour tous les Africains, retenez que nous sommes à Douala, sur cette plateforme à Bonanjo, et nos invités se trouvent du côté de Londres, où nous sommes en liaison satellitaire. Il était très important pour moi ici de vous rappeler que le groupe Major, c'est deux sœurs, Elsa et Irène, qui ont décliné leur identité. Désormais, on sait qui est Elsa, qui est Irène. Nous allons proposer le clip Bird. Votre plaisir. On a des chansons même aussi avec Pete Hammond, le monsieur qui a créé Kylie Minogue. Donc, en fait, les gens nous font tellement confiance et on adore la transition des différents genres. Et nous, on n'a pas peur, par contre. On fait tout style, tout genre. Et en fait, c'est ce qui inspire tout le reste. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de projets. Hein. On ne peut pas en parler. Et tu sais aussi, tu peux écrire des chansons pour nous si tu veux. Ah non, c'est pas mon truc. C'est le même genre de groupe, tu fais le troisième de Major. Major et Constitué, you voilà. Can do that. You can be the third member of Major. Alors, Elsa, Irène, êtes-vous jumelles? C'est vrai, la question que tu viens de poser, c'est incroyable, tout le monde la pose. Nous ne sommes pas jumelles, il y a une grande sœur, il y a une petite sœur. Écoute, c'est à toi de décider. Moi, je suis Irène, c'est Elsa. Qui est l'aînée? Dis-nous, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses? C'est qui l'aînée? Qui l'aînée? Ça, c'est un truc qu'on demande à tout le monde. We'll keep asking that question. Everybody thinks we're twins, so it's always really funny to see what's the guess. We love it, we love playing that game. So, tell us, it's up to you. Voltage 2 95.5 Douala 24 heures sur 24 non-stop. La radio dont rêve tout un peuple. Voltage 2. Voltage 2 Douala 95.5 FM. Voltage 2. Voltage 2 95.5 Douala. Déjà à vos oreilles. Contact 98 53 01 09 78 13 90 19. Depuis l'étranger, faire précéder du 237. Voltage 2. Alors, vous êtes camerounaise, right? Mais tu sais qu'on se dit, c'est vrai que
On est du Cameroun, on est originaire du Cameroun, on est né là-bas, c'est notre cher pays, chère patrie. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas encore assez, contrairement aux autres pays, l'Angleterre, l'Europe, le Brésil, par exemple, le Japon. Et voilà, mais c'est, on est en pleine démarche grâce à toi et Voltage 2, bien sûr. Merci voilà. Encore, Consti, pour tout ce que tu fais pour Major. On va prendre, we're going to take Cameroun by storm. Alors là, ma question va s'adresser à Irène. Irène, I need that you speak in English because in Cameroon, we speak two languages, in Africa, everywhere, maybe in the world. I want you to speak in English. Listen to my question, my bad English. My question is, do you think that you're going to use the Major to do another business? Well, what I always say is that, you know, Major is more than, it's a brand, yeah. You know, that's why we kind of have many, you know, we broaden our horizons, you know, kind of, it's not just the music, it's going to be the fashion, you know, it's going to be shops, you know, things, you know, il y a plein de choses que nous allons créer. Exigence de star, exigence de votre production surtout, nous allons encore permettre au Major qui, à titre de rappel, sont à Londres et nous ici depuis Camerounaise à Douala, nous enregistrons cette émission via le satellite. On va permettre Major à Irène et Elsa d'aller encore se changer. Ça a été les exigences de leur production. Mais en attendant, on vous propose un clip du groupe Major. On peut dire, Major, que vous êtes relativement chanceuse d'avoir des producteurs qui vous permettent de faire des super clips, une super production qui vous permet de voyager. Vous avez été au Kenya et partout ailleurs, Madagascar, qui vous permet de faire vraiment des grandes choses. Peut-on dire que vous êtes chanceuse d'avoir autant de bons producteurs, parce que je sais qu'ils sont trois. Oui, aussi en fait, les producteurs, on a vraiment la chance de travailler avec des gens qui sont internationalement connus. Et we so lucky. Seriously, we're working now with Pete Hammond, who's the guy behind Kylie Minogue's biggest hit. He worked with Warm, Rick Ashley. Back in the 80s, he's done them all. I mean, the guy actually contacted us. I mean, him. De pouvoir les artistes, you know, les grands producteurs, contacter Major et dire est-ce qu'on peut travailler avec vous, pour nous c'est un privilège. C'est incroyable. Et comme on a dit, Major, nous on a, c'est fun. Hein? Ouais. Major, c'est about having fun. That's what we're doing. Il y a plein d'artistes, bien sûr, qui chanteront mieux, mais bon, pour moi, la star, ça se voit en toi. Et tu es né avec. Donc, I feel like we were born like this and we were born this way. No, we were definitely born this way. Nobody can change us. I mean, ça, c'est nous le matin, on se lève avec le rouge à lèvres. On est comme ça. Des grands cheveux. Et on est prêt pour la journée. On est dans la mode. Bah, comme toi, Consti, tu nous as. Il est déjà bien sûr. On s'en va le jour de toi, tu n'as qu'à te parler. Tu es une icône de l'âge, j'adore. J'adore les gens, la vie est tellement courte. Si tu t'aimes pas toi-même, qui c'est qui t'aime? Ah ouais, il faut s'aimer en premier, c'est trop voilà, important. Voilà, c'est pour ça, prendre soin de soi. Ouais. Et voilà, we love it. We love the way you dress up. We love everything from here. You're like, really good. Amazing. Major amazing.
This is the end of the show. Nous arrivons à la fin de cette émission. On va vous permettre comme ça de nous dire au revoir, de dire au revoir à tous vos fans. Et Irène, Elsa, alors dites-leur au revoir, que ce soit en français ou en anglais. We don't care about. Ok? Au revoir. Alors dites-leur leur, votre mot de fin. Oh, c'est triste le mot de la fin. C'est déjà terminé, non? Oh, c'est déjà fini. C'est vrai que chaque chose a une fin. Mais pas peur quand même. Tu n'espères pas. On voulait nous changer encore, même 10 fois, et juste faire une petite mode encore. On aurait fait ça toute la journée, Conce. On est tellement confortable avec toi que. Voilà, on aimerait. Mais tu viens nous rendre visite par contre en Angleterre. Reviens. Il faut qu'on te fasse sortir. Oui, tu viendras. On va te montrer le monde à Major. On va aller partout. Je vous souhaite. We're going to show you the town, baby. On va te montrer comme des princesses à Londres et on va te faire, you know, embrace our lives. Exactly. Well, le mot de fin, c'est très difficile de dire au revoir. Yeah. On peut remercier les fans, remercier tout le monde qui nous regarde maintenant et bien sûr, Major, on appartient au monde. Comme on dit, we're children of the world and if you love us, we love you back and we even love you even if you don't love us. So, I mean, c'est triste de dire au revoir. En fait, ce n'est qu'un au revoir parce qu'on sera très bientôt sur le jeu. De toute façon, c'est juste un petit see you later. Mais on voudrait juste dire merci à toi, Conce, bien sûr, pour l'initiative. Par contre, toi, tu as déjà le seul fait que tu aies créé ça. C'est génial ce que tu fais pour le pays. Donc, merci pour tout ce que tu fais pour Major. Merci pour l'impact que tu as sur notre carrière du côté du Cameroun. On est très ravis. On te remercie vraiment. Et ce n'est que le début. Thank you so much. Merci and thank you so much to all the fans, guys. We love you dearly. We love you guys. Without you, we wouldn't have been who we are. And like I say, no fans or nos oxygènes. You are our hotel. We love you dearly. Thank you so much. God bless you all. Thank you, guys. Lots of love. Bye-bye. Merci, Conce. Ça fait énormément plaisir de voir comme ça, comment des artistes se battent. Et on remercie toute l'équipe de Major depuis Londres, les producteurs qui ont payé la facture pour la réalisation de ce direct par satellite entre Douala où je me trouve et Londres. Où le groupe Major se trouve. Ça fait énormément plaisir. On vous propose comme ça pour dire au revoir, pour boucler cette émission. Le tout dernier clip qu'elles ont dédié à une ville du sud de la France, la ville de Cannes. Au revoir. Le soleil. Les terrasses, les garçons. Party time.
le glamour, la fantasy. C'est la leçon du jour. Canal 2 International, votre télévision.